Everyone has right to education. In Canada, education has been touted as a collective right and benefit. The trend of raising tuition fees, however, has increasingly made education a privilege. In Quebec, the government plans to increase the tuition fee, making students pay $500 more per year over 3 years, and continue this increase until it reaches the nation's average. These drastic tuition fee increases within a short time frame threaten to make education less accessible to citizens. Since the government of Quebec supplies greater than 50% of funding for the province's universities, its current deficit rose the concerns of students out in its attempt to fix budget. Whether or not it is right for the government to reduce its debt out of students' pockets is questionable. C'est par rapport à la prochaine hausse de frais de scolarité qu'on anticipe après 2012. En fait, en décembre dernier, il y a eu une rencontre du gouvernement avec plusieurs acteurs concernés par l'éducation, à savoir le conseil du patronat, des syndicats, quelques groupes étudiants. Mais beaucoup d'étudiants et étudiantes ont décidé tout simplement de boycotter cette rencontre-là parce que la décision d'augmenter les frais de scolarité avait déjà été prise depuis longtemps par le gouvernement. Finalement, tous les groupes ont claqué la porte à la fin de la rencontre, sauf le conseil du patronat. Donc ici, on est là aujourd'hui pour dénoncer la hausse anticipée des frais de scolarité. Qui va arriver après 2012. Le but, c'est de rejoindre le reste de la moyenne canadienne, donc à savoir environ au-dessus de 5 000 par année. Donc, on peut prévoir en premier lieu l'endettement, puis aussi les gens vont probablement être beaucoup moins mobilisés parce que les gens vont moins militer quand tu risques une session à 2 000, 3 000 Donc, il va y avoir une démobilisation importante aussi. Juste avec la dernière hausse qu'il y a eu, c'est environ 9 000 étudiants et étudiantes qui n'ont pas pu accéder au cégep et à l'université. Donc, on prévoit qu'il va y avoir une part importante des gens qui ne pourront tout simplement plus aller à l'université après. Donc, c'est ça, il va falloir soit s'endetter, soit travailler plus en mettant en péril les études. Donc, c'est un choix qu'on refuse de faire. Donc, on prévoit une mobilisation assez importante pour contrer ça. Bien, d'une part, nous, on est beaucoup plus près de l'AC, qui est l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. On est la FEC opte plus pour une stratégie de concertation avec le gouvernement, de négociation, donc d'être inclus dans le processus de décision. Pour nous, c'est complètement bidon. On ne consulte pas les étudiants et étudiantes dans ce processus-là. Les décisions sont déjà toutes prises. Donc, nous, on refuse tout simplement de négocier, puis on boycotte complètement ces rencontres-là. Donc, pour nous, on ne veut pas accéder à ces instances-là parce qu'on sait déjà que notre voix n'aura aucune porte. Bien, je pense que ça démontre une tendance qui est présente de plus en plus, c'est qu'on va mettre le poids de l'éducation sur les épaules des individus, le poids financier. Donc, de plus en plus, c'est les gens, les individus qui devront financer leur éducation plutôt que le gouvernement, avec des frais de scolarité toujours plus... plus important à mesure que le gouvernement se retire de l'éducation. Mais non, c'est sûr que non. Non, Okay. En plus, quand tu penses à un pays, faut que les... Je comprends pas pourquoi ils financent pas. Faut que les gens soient éduqués pour que le pays évolue, tu sais. Non, c'est pas normal. C'est bizarre, c'est parce qu'ils baissent là, mais ils mettent tout cet argent-là. C'est ça l'affaire. C'est juste... J'aimerais ça savoir, il va où après l'argent. Mais moi, je pense qu'ils baissent parce qu'ils ont pas assez d'argent. Justement parce qu'ils financent trop des trucs qui n'ont pas besoin d'être financés. Ben, c'est des écoles privées, tu sais. Ouais, ça, c'est ça. Okay. Financer des écoles privées, c'est... Je comprends pas. Bon, la santé et l'éducation, c'est une des choses les plus importantes parce que, genre, faut que ce soit en santé pour vivre. Puis, genre, pour que le pays fonctionne, c'est une éducation. Que le monde roule, là. Puis, genre, comme prendre exemple sur les pays scandinaves, là. C'est toujours l'exemple que tout le monde donne, mais ça marche. Fait que, pourquoi pas? En tant que moi étudiante à l'UQAM, mais en plus de ça étrangère, je trouve la hausse des tarifs un peu excessive. Parce que c'est pas évident non plus pour nous de quitter chez nous, d'arriver ici. On s'attend à un prix. Parce que la plupart du temps, on dit que c'est 1 000 $ par cours. Mais quand on arrive ici, on se retrouve à avoir genre plus de 1 000 $ à payer par cours pour un étudiant étranger. Fait que au fur et à mesure que ça augmente, et puis avec les taxes aussi qui augmentent, ça fait que ton niveau de vie change complètement.
À plus de ça, je ne suis pas en résidence, j'ai un appartement. Fait que ça devient compliqué à la fin du mois pour payer tes factures, ta nourriture et tout, c'est pas évident. Je trouve que c'est assez gros parce que quitter le travail pour venir ensuite à étudier, c'est pas évident non plus. Et puis en plus, je sais qu'il y a des travaux de groupe, il y a beaucoup de travaux de groupe, surtout pour les étudiants aussi. Je sais pas, je suis en administration, donc je parle plus pour ceux d'administration. Je sais qu'il y a beaucoup de travail de groupe, on doit se rencontrer souvent très tard le soir parce qu'il y a beaucoup qui travaillent. Ah, si on pouvait diminuer le prix, ça allait vraiment nous arranger en tout cas. Au moins diminuer d'un peu, même si c'est pas beaucoup, au moins diminuer, puis essayer de voir dans l'ensemble en général, pas juste les étudiants québécois et tout. Voir pour tout le monde parce que. If it should raise, I don't think my dreams of going to university would be like forthcoming, so I don't know. It wouldn't be that. How do I say that? It wouldn't be that graceful. It would be more like an obstacle, because it's the tuition fee would be even higher and more. And I think it should be like I think it should stay where it is right now for at least, I don't know, 5 more years. I don't know. Like, it depends on what the government says, but I think whatever we're paying right now is reasonable for more time. Let's see. I pay my own tuition. I buy my own books. I buy my own meals, and I also have my my personal agenda to deal with, inclusive of bills, rent, utility bills. Everything is from me. So if this price, if this tuition fee should raise, like, I don't know, I hope if it raises, I hope my pay raises. I don't know that any other way to put it. I don't know, I want to be alive when I'm done. My dream, I would like to study in the field of engineering. I'm looking at computer engineering or electrical engineering. And based on my friends and strangers I've met and students here, they say it's a lot of work. So I don't mind a lot of work, but a lot of work, even if it's a little bit of work but no time, it doesn't make any sense. Other students are relatively insulated from the hikes, since the target has been to raise fees for provincial students to levels comparable to other provinces. Okay, I'm Sanjeeva. I'm in first year science, and I don't have that much of an opinion about the hikes in tuition, mainly because compared to what I was paying in high school, it's not as big as a deal as it is now. They have the same problem in America, but the good thing about America is the financial help they get compared to McGill. I wouldn't say they have a lot of scholarships for kids here. I don't really know too much about it, my parents helped me a lot. With tuition, so right now it's not my main concern, but it might in the future when I have to pay my own way. I didn't even know there was tuition hikes going on, so I don't know how much it's raising by, but I don't know what the point of it would be. I guess it just depends what they've been doing it this way for so long, what would the new money be going towards, but I guess it is kind of an economic crisis. I know in California they bumped up their tuition 12% last year too, so I don't know if it's like going on all around or, yeah. Sure, the argument out there is that with an increase in tuition fees, that universities will be able to afford better services for their students, that being both academically and in terms of student life. You know, whether that's true, that's certainly debatable. There are other alternatives to an increase in tuition fees, and there is definitely a lot of talk about, in the event that there is an increase in tuition fees, will this render access to post-secondary education more limited? And unfortunately, however, an increase in tuition fees has been that which is supported by the government without what seems to be consideration of the alternative. Students, more than anyone else, are likely the most motivated individuals to come up with an alternative rather than increasing tuition. Okay. Tuition hikes of this nature shall inevitably lead to the decrease in quality of life of students.
We must take into account that tuition fees are not the only bills students pay. The cost of rent, utilities, and food are necessities which should not be disregarded in calculating the equation of students' financial burden. Hence, these rising tuition fees entail a transfer in debt from the government to the student body. For many students, juggling school and work is their tough reality, and higher tuition shall put tremendous strain on their study schedule. Students shall have to go greater in debt, grades shall drop, and many shall be forced to drop out. The government's disregard for the students' protests and the tuition hikes is concerning. Ultimately, a definitive decision in establishing education as a social option for all of society or a private privilege needs to be made.